le Comité national des personnes ayant un handicap mise sur la sensibilisation et l'éducation pour promouvoir et défendre les droits des personnes ayant un handicap. Les membres du comité ont été très actifs au cours des deux dernières années. Nous avons participé aux consultations publiques sur une législation fédérale en matière d'accessibilité afin que les droits des personnes ayant un handicap ne soient pas des droits sur papier, mais des droits respectés au quotidien. Nous avons plaidé en faveur d'une stratégie nationale qui forcerait le gouvernement fédéral à respecter ses obligations en vertu de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Nous avons continué à collaborer avec nos partenaires, autant au sein du mouvement syndical qu'à l'extérieur. Dans nos milieux de travail, dans notre syndicat et dans nos communautés, nous avons poursuivi nos efforts de sensibilisation aux obstacles que rencontrent les personnes ayant un handicap en matière d'accessibilité. Nous avons encouragé la réalisation de vérifications de l'accessibilité des lieux pour les activités des sections locales, des divisions et de notre syndicat national. Nos militants pour les droits des personnes ayant un handicap, de concert avec nos alliés, intensifieront leurs efforts au cours des prochaines années, car les attaques contre la diversité et les politiques d'austérité qui se multiplient sont facteurs de division à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, consultez notre rapport.